Et pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous montrer un petit projet que j'ai copié en fait d'un joueur anglais qui faisait un escalier vers le paradis, je sais pas quoi. Et du coup je me suis dit, bah je vais essayer de le faire aussi. Donc du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en fait, toute ma partie. Donc il y en a pour je pense 3-4 heures de vidéo en tout, mais je vais la compiler en peut-être 1h30, un truc comme ça. Donc du coup, pour ceux qui savent jouer, je pense que les 30 à 40 premières minutes que je vais produire sur YouTube vont pas être intéressantes. Hein. Parce que c'est le début quoi. Mais après vous allez voir, là j'ai tourné l'épisode tout à l'heure, je me suis enregistré en fait en train de finir en gros l'escalier, parce que je sais pas si je vais l'augmenter encore, il fait une taille assez importante actuellement. Et du coup je vais pas emmerder à continuer, voilà, j'ai fait un grand truc, c'est cool, haha, je me suis bien amusé, mais voilà. Alors si vous voulez en voir plus, mettez-le dans les commentaires, franchement hein, s'il y a des gens qui veulent vraiment que je continue, moi ça me prend vraiment pas de temps à faire ça. Et puis si personne n'a envie, ben dites rien, mettez un pouce rouge et puis voilà, ça me fera plaisir, c'est plutôt cool. Parce que ouais, un bâtard de requin. Parce que ouais, moi je suis pas demandeur de pouces bleus, vu que j'ai pas envie de percer sur YouTube, je m'en fous. À la preuve, j'ai 390 abonnés, je crois, un truc comme ça, je sais plus, 86, 90, et ça sert à rien. Il y a 20-25 personnes qui regardent mes vidéos, en gros. Enfin, ça fluctue quand même, hein. C'est entre 2 et 500 000, je crois. Attendez, la plus grosse vidéo, elle fait... Ah non, ça que j'ai viré. La plus grosse vidéo, elle doit faire... pardon. On est en train d'étouffer en même temps de parler, ça le fait pas. Elle doit faire 76 000 vues, je crois. Enfin bref, donc ça fluctue un peu, hein. Le chiffre n'est pas très stable. Mais vraiment, en vrais abonnés, je serais que bah, vous n'êtes pas beaucoup, donc je vous fais vraiment un coucou à chacun. D'ailleurs, si vous pouvez mettre un petit commentaire juste pour que je vois votre nom et je vous fasse un petit coucou dans les vidéos qui arrivent. Bah voilà, pour ceux qui veulent que je les vois, voilà, mettez-moi un petit commentaire. Et du coup voilà, donc je vais, bah je crois que je vais, ouais. Je vais faire un gros timelapse je pense, parce que le début est chiant en fait, c'est un début normal, donc voilà, un petit peu l'évolution basique, hein. je pêche les objets jusqu'à tout est normal, et je les pêche même à la main, hein, donc trop la classe. Il n'y a pas des masses de choses à voir. Bah du coup je sais pas comment je peux faire pour combler en fait les quelques minutes de malaise de début de cette vidéo, parce que ben au début il n'y a rien quoi, c'est un début tout à fait normal comme j'ai dit. Mais du coup ceux qui savent déjà jouer, ben vous devez bien vous faire chier. Bon, cela dit, en accéléré c'est marrant parce que personne ne joue en accéléré, ou alors vous êtes très bizarre, dites-le dans les commentaires, non je déconne. Et du coup ben voilà quoi. Donc je me permets, hein, pendant l'enregistrement vocal, de manger une pomme, pour ceux qui n'avaient pas entendu. Si j'articule pas, d'ailleurs, je mettrai peut-être des sous-titres, je sais pas, à voir. Mais si vous comprenez pas un mot à un certain temps, mettez-le dans les commentaires. C'est bien qu'ils demandent des commentaires tout le temps, tu sais. Du coup, voilà, donc la compression à l'arrache, hein, sans cut, de la première partie fait 15 minutes si je me trompe pas, enfin 14-15 minutes, donc la vidéo finale devrait faire un bon 10 minutes, donc là je vois que je suis à 5 minutes d'enregistrement, enfin presque, je l'arrondis, hein. Donc du coup bah je sais pas quoi dire, voilà, donc ça doit être assez perturbant de regarder quelqu'un qui ne commente pas ce qu'il fait, parce qu'en fait comme ça en timelapse, bah du coup moi je suis pas synchro avec vous. C'est un concept de vidéo, hein. C'est je regarde quelque chose que vous ne voyez pas, donc que je ne commente pas d'ailleurs, parce que comme je sais que c'est pas synchro, bah ça sert à rien de commenter. Et vous avez une image qui est différente. Bon, il y a que le son des vagues en accéléré d'ailleurs, qui est à peu près synchro avec l'image.
Mais du coup, ce que je dis n'a aucun rapport, enfin, a très peu de logique par rapport à ce qui se passe à l'écran. Et comme j'ai déjà joué, hein, c'est pas enregistré en live, hein, la preuve du timelapse. Bah du coup, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je vois le regard qui bouffe des planches. Il devait avoir faim, je sais pas. Tu veux ma pomme? Non, je parle pas requin, donc voilà. Du coup, 6 minutes, on doit être à au moins une demi-heure donc de vidéo. Dans le timelapse, je sais pas du tout où est-ce que j'en suis. Ça doit être quand je pose plus de pièges. Parce que je sais qu'en fin de vidéo... non, je déconne, je ne spoil pas. Enfin, en vrai, je fais 2-3 petits trucs quand même. Hein. C'est un bon début de jeu. En tout cas, j'ai relevé des bugs. Si jamais... bah non, parce que je suis français, donc ils se battent les couilles, mais si jamais l'équipe de Raft m'entend, il y a deux gros bugs que j'ai remarqués. Enfin, bugs, gros problèmes, on va dire. Qui n'empêchent pas de jouer, hein, mais qui sont quand même un petit peu pas du tout logiques. Il y a une ligne d'objets qui reste affichée en fait au fond de là où ça pop. Donc l'objet spawn. Enfin, je vais le faire en anglais, hein, juste pour que les anglais comprennent. When there is spawn object at the away of a player, this is a bug. Because don't move and this is a line to the away of Raft and it's not logic because in reality when you are in a raft you dead you see not that so I can expliquer to you so it's a problem. Voilà, du coup je sais que mon message passera et voilà, je risque de passer, je risque d'avoir mon nom dans les crédits bientôt du jeu. Ils vont me remercier d'avoir trouvé ce bug là parce que je vais être le seul au monde en fait à avoir vu ça, donc pardon, humour. Et du coup, il y a un deuxième bug aussi. Par contre, j'ai la dalle, je suis désolé, mais j'ai pas envie de bouffer. C'est que du coup, quand on a une noix de coco, je vous verrai ça dans la deuxième partie de la vidéo, je pense que je mettrai peut-être à la suite. Je sais pas si je fais plusieurs vidéos parce que ça risque d'être. Oh, quoique, non. 15 minutes, 20 minutes d'un coup, ça risque d'être long déjà. Donc, du coup, je vais faire plusieurs vidéos. Merde, j'ai une bateau qui se casse. Attends, hop, mettre ça là-dessus, voilà. Donc, la noix de coco qui va dans l'eau, elle se retrouve en fait pas du tout vers le néant, hein, comme les mini tonneaux là, qui sont générés quand l'inventaire est plein. Non, les cocos vont pas dans le néant, parce qu'elles tombent dans l'eau également. Elles restent au fond de l'eau qui est accessible aux joueurs, donc si vous avez une autre coco qui tombe dans l'eau, ça sert à rien de courir derrière pour l'instant, en version 1.05, parce que de toute façon elle sera accessible, quoi. Elle roule au fond de l'eau. Donc je sais pas si elle roule vers l'infini d'ailleurs, oui j'ai mal dit ma phrase, je ne sais pas si elle roule vers l'infini, putain le mec il galère trop quoi. Mais en tout cas voilà, les noix de coco se retrouvent accessibles aux joueurs, même dans l'eau, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc ce sont les seuls bugs que j'ai trouvé pour l'instant. Putain j'ai un petit gâteau là, il colle. C'est quoi comme truc? Ah oui, le petit guillou, voilà, à la framboise. Donc pour ceux qui veulent trouver cette friandise sucrée, c'est Ker Cadillac qui le fait, voilà, placement de produit. Voilà, ils m'ont filé 4 millions d'euros parce que ils se sont dit 380 abonnés, si on fait un peu de pub au milieu d'une vidéo de 20 minutes, ça va rapporter du monde. Non, je déconne. Du coup, ces gâteaux-là collent, mais ils sont tellement bons. Je veux dire, à la framboise, quoi, c'est comme un pain au chocolat, le chocolatier de lol, mais bourré de framboise, quoi, et c'est tellement bon. Et du coup, je fais ma bouche avant.
Et du coup c'est cool. Voilà. Bon allez, je vais arrêter de m'enregistrer là. Je ne sais pas s'il reste du temps ou pas, parce que comme j'ai pas du tout prévu le timelapse, je verrai ça pour la prochaine vidéo. Je vais arrêter de m'enregistrer là, parce que si jamais je parle alors que l'écran est noir, ça va être très bizarre. Du coup, j'espère que ce concept de vidéo review de mon propre gameplay en timelapse en décalé, hein, parce que je parle sur une vidéo que j'ai déjà enregistrée. J'espère que ce concept très simple vous aura plu. Mettez un pouce rouge, mais vraiment je suis très sérieux, mettez vraiment un pouce rouge. Je veux voir en fait qui sont les vraies personnes qui regardent les vidéos. Les pouces bleus, mais n'en mettez même pas, c'est même pas la peine. Ou sauf si vous voulez, regardez, j'ai mis un pouce bleu, je suis trop dead quoi. Et surtout, mettez un petit commentaire, genre juste un point ou un fuck ou je sais pas, enfin démerdez-vous, pour que je vois en fait qui a entendu mon message. Donc du coup voilà. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je vois que le requin est en train de bouffer mon truc. En fait, je suis à 12 minutes, mais dans la vraie vidéo. Donc, c'est-à-dire à 3 minutes environ de la vidéo que j'ai enregistrée là. Donc, du coup, c'est un peu bizarre. Bref, donc du coup, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera un peu plus sérieux, je pense. Je vais éviter de bouffer en parlant. Et du coup, je... Et du coup voilà, donc je vous dis à très bientôt, cette vidéo risque de sortir le 14 ou le 15 février. Et puis voilà, et je viens de voir, oh my god, le timelapse termine dans à peu près 20-30 secondes. Ouais, environ. Ah parce qu'en fait j'ai fait un copier-coller dans... Et puis j'ai hâte de faire la deuxième review de vidéo dans quelques minutes, là je vais enregistrer la deuxième en même temps. Donc,